si on est journaliste, donc c'est un collègue qui reçu, est en j'ai prison reçu la proposition finalement, d'une association. par rapport au fait qu'il y a des problèmes, et justement parce que nous sommes des journalistes de place, on a des bureaux, hein, bien ouais. sûr. Non, ce serait intéressant, bien sûr. Ils sont là pour soutenir la liberté des journalistes dans le monde, et qu'ils ont même des... Qu'est-ce que vous tenez en main? Alors, c'est la procuration signée par un membre proche de la famille de M. Al-Zaïdi, qui est détenu évidemment et qui ne peut pas lui-même signer le document, ce qui est habituel pour les personnes détenues, avec une copie scannée de son passeport. J'ai également la copie scannée du passeport de la personne, membre de sa famille, qui a signé la procuration. Donc, encore une fois, pour le compte de M. Al-Zaïdi, signé par un membre de sa famille, comme c'est souvent le cas pour les personnes détenues, puisque souvent... Si la personne en Irak que vous avez interrogée ne veut pas admettre qu'un mandat a été donné à un avocat étranger, elle doit certainement avoir de bonnes raisons pour le faire. C'est certainement pas pour revenir sur une décision qui a été prise. Donc je ne me sens pas autorisé à mettre cette personne, le cas échéant, en danger en dévoilant son identité. La seule chose que je peux dire est que le mandat a été signé et que la personne qui a signé ce mandat peut toujours évidemment l'annuler. Mais il n'en demeure pas moins que ce mandat a été donné. منتظر داخل السجن يعني بصراحة ما التقى بأي لجنة من الصليب الأحمر اللي ادعى هذا المحامي أنه تابع للصليب الأحمر في جنيف ومنتظر طلب اللجوء السياسي لسويسرا من خلاله كيف منتظر يطلب اللجوء السياسي وهو لا زال داخل المعتقلات ولم يقابل أي لجنة من الصليب الأحمر منتظر الزيدي الآن خلف القضبان وحريته مفقودة فطلب اللجوء السياسي يفترض أن يمتلك حريته ابتداء وهذا ما تعمل وهذا ما يعمل فريق الدفاع من أجله ويتابع القضية أمام المراجع القضائية العراقية وصولا إلى تحقيق العدالة وسيادة القانون وبما يكفل حريته